première circonscription de la Haute-Garonne. Alors, je suis avocate à Toulouse depuis un peu plus de 11 ans. Je m'occupe surtout du droit des étrangers, droit pénal. Je suis avocate syndiquée, je suis au syndicat des avocats de France. Je suis avocate des sans-voix, des sans-papiers, des sans-terres, des quartiers populaires. Je me suis beaucoup battue pour contre les discriminations, aussi pendant l'état d'urgence, contre les violences policières. Et aussi, j'ai défendu des militants sur le site de Sivens. Alors, pour moi, ce qui est important, c'est de porter les propositions de l'Avenir en commun, de les décliner localement, mais aussi de les porter à l'Assemblée nationale, de constituer une majorité parlementaire pour empêcher que la politique de Macron casse encore les acquis sociaux. Porter la voix aussi de toutes les personnes démunies, de porter la voix du Front social et de continuer le lien avec la société civile, continuer à créer le mouvement, à dynamiser le mouvement de la France insoumise à travers des ateliers des lois, à travers des assemblées constituantes. Alors, je dis aux électeurs, ne perdez pas espoir, on construit une belle force d'opposition. C'est important de continuer, il n'y a pas de fatalité. Macron était peut-être président, mais on a gagné déjà une belle bataille parce qu'on a un programme de rupture, mais qu'on a réussi à avoir énormément de voix partout. 7 millions d'électeurs, c'est énorme. Qu'on peut, avec des députés, avec 4,5 millions d'inscrits, on peut aussi porter le référendum d'initiative populaire. Et courage les gens, le vent se lève.